Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous regardez vidéo ça. Pas oublier au sous-channel Bonjour Nouvelle RD. Jeudi à c'est mercredi 28 octobre année 2020. Nous portons pour aujourd'hui à deux gros bouts tonton information. Première information, c'est concernant un gros problème que gouvernement haïtien mettait dominicain yo. Sous question marchandise cap traversé frontière. Côté gouvernement haïtien vle réclamer $800 américains nan men dominicain yo comme frais pour vérification marchandise yo. Et président Luis Abinadel pas content dit. Et l'autre autorité concernée yo qui gère affaires commerce là en République Dominicaine, yo pas content du tout. Nous pral parler de ça dans vidéo a. Et nous pral ba ou quelques détails sous concernant comme ça que gouvernement haïtien yon vle réclamer nan men gouvernement dominicain. Deuxième information nous pote pour dans vidéo ça, c'est yon réclamation que ministre commerce ak industriel République Dominicaine fait sous question quantité cob que République Dominicaine té entré nan vente haïtien marchandise yo pour l'année 2019 là qui saute passé. Alors ministre lan té bay chiffre là qui se yon affaire de $820.6 million américains que République Dominicaine té entré pour l'année 2019 là nan vente haïtien marchandise qui sorti en République Dominicaine. Nous pral parler sous dossier réclamation ça ensemble avec vous dans vidéo. Nous invité ou prendre tiches ba ou chita ou bien monter cabanou pour allonger parce que nous pral vider information sur ou. On prend un trois channel là pour nous commencer. Yon l'autre fois encore, nous saluons et nous disons bienvenue sur channel là. Mission pa nou c'est informer, motiver et orienter de tout ça qui a passé en République Dominicaine qui concerne en tant que haïtien. Jean que nous toujours fait, n'a remercier chaque grand monde qui toujours quitté un like pour nous en bas vidéo que nous poster sur channel là. Et n'a voyé yon l'autre remerciement très spécial à chaque grand monde qui était déjà abonné ensemble avec nous. Et ou même qui croise nous pour la première fois, n'a demandé ou abonné. Et puis activer ti cloche notification de façon pour YouTube qu'a toujours averti chaque fois nous poster une nouveau vidéo. Bien avant que nous entrer dans ça qui concerne information yo, n'a invité ou passer sous l'autre channel là qui relait Cloud Media. Parce que vous avez besoin en pile belle information qui ka intéressé ou parce que li bay information qui gen rapport à République Dominicaine. N'a mette link la pou dans description vidéo avec nan premier commentaire. Pas oublier le rive pour abonner parce que ça a fait nous plaisir. Sans qu'on pas ajouter en yon encore, n'a pas entré dans ça qui concerne vidéo. Première information, c'est que autorité dominicaine yo plaigné en pile parce que président Jovenel Moïse ba yo yon gol ak men. Yon frais qui évalué à $800 américains réclamé par haïtien yo pour faire vérification marchandise yo kap soti en République Dominicaine pour passer dans douane pays d'Haïti. Bagay sa fait Luis Abinadel douce comme mouton parce que ça pas dit tout nan avantage République Dominicaine. M'vle di nou que président Jovenel Moïse li gen lè commencé à travailler. Association des exportations dominicaines li affirmé que quantité comme ça trop haut pour République Dominicaine payer parce que même 27% taxe qu'on payer pour produire 4 transporter dans pays étranger par la donne parce que c'est un cob à part que gouvernement haïtien réclamé
pour vérification marchandise là seulement. Ça veut dire pour chaque camion marchandise cap entré en Haïti, yo mandé $800 pour yo vérifier camion. Ça veut dire là comme pour marchandise yo entré en Haïti a pas contrôlé dans ça pendant que République Dominicaine doit continuer payer 27% taxe que yo doit bail là. Eh bien, responsable Association Dominicaine des Exportations qui c'est Ado Expo. Yo déclaré que $800 américains lui-même li trop exagéré pour yo. Présidente Antiquité Commerciale en République Dominicaine qui c'est Elisabeth Mena. Li exprimé inquiétude li sous dossier ça parce que gouvernement haïtien pa vle régulariser commerce là ak République Dominicaine Jean que ça douyé a et li fait konnen que commerce République Dominicaine gagné avec pays d'Haïti c'est deuxième rentrée économique République la gagné après pays États-Unis. L'été affirmé que sorti mois janvier pour arriver mois septembre 2020, République Dominicaine déjà fait environ $536 million américains avec haïtien yo nan vente marchandise. Alors, ça c'est chiffre pour marchandise qui passe légal yo. Parce que si yo te inclus comme yo fait ak marchandise contre ça veut dire marchandise qui entre illégal yo, comme la tap piwo toujours. L'été arrivé même dans $800 million américains que yo gen tan fait seulement pour mois janvier arrivé dans mois septembre année 2020. Alors, nous ka wè nan ki niveau haïtien yo important pour République Dominicaine. Et celle ça m'a dit nous après en pile critique que en pile nan nou tabay gouvernement parce que yo ouvri frontière. Eh bien, nous t'ai toujours dit nous relax parce que politique c'est qu'on s'allie. Pas gen moun ki te ka jam fin konnen vre ki sa ki genyen deye ouvri frontière. Eh bien, a question $800 pour vérification marchandise yo kap passe nan douane nan, se yon gros kalot ke président Jovenel Moïse bay président Luis Abinadel nan bo machweli. Bon, mba te ka fin di non sel bo machwe. Jovenel Moïse blende misye katouche avec décision sa. Alors, ou même qui t'a suivi vidéo avec attention, ou gen intérêt pour commenter, pour bay opinion pa ou sous dossier ça. Pour dire est-ce que c'est un bel coup que gouvernement haïtien fait sous République Dominicaine et est-ce que t'a remé gouvernement haïtien fait plus toujours. Deuxième information nous pote pour wa, nous t'ai déjà annoncé ou li nan commencement vidéo a. Qui c'est déclaration que ministre commerce République Dominicaine fait. Li rele Victor Bisono. C'est lui-même qui ministre commerce en République Dominicaine. Li déclaré que République Dominicaine t'est entré $820.6 million américains dans année 2019 là qui s'est passé à la nan vente haïtien yo marchandise. Alors ça c'est chiffre pour marchandise qui passe légal yo. Mais si marchandise sa yo te ka bay chiffre pour marchandise contreban yo, marchandise qui passe illégal yo. M garanti ou tab gen bagay. Question nou ka pose, c'est est-ce que autorité haïtien nou yo pa tande déclaration ça? Est-ce que yo pa comprendre qui ça ministre commerce la veut faire konnen avec gros déclaration ça qu'il fait. Victor Bisono content et li fêté. Rentrée économique ça que République Dominicaine te fait en année 2019 là, li montrer que commerce la bon pour yo. Li montrer que si pas gen commerce ça, c'est à moins $820.6 million américains dans quantité cob que République Dominicaine gagné. Li montrer que c'est important pour que commerce la lui-même li toujours fait. Alors, gouvernement haïtien yon ta gen droit pour essayer mettre yon contrôle sur commerce la. Yo ta doué zongle dominicain yo.
pour yo te capable résoudre problème haïtien yo qui a vive en République Dominicaine. Yo ta doué utiliser commerce ça comme zam pour yo capable combattre ak dominicain yo pour faire droit haïtien ka vive en République Dominicaine nan respect. Mais hélas, moun yo ki nan tête gouvernement pays d'Haïti a gen yon voile ki bouché zye yo ou bien oreille yo ou bien bouche yo, parce que nous remarqué yo pa wè, yo pa tande et yo pa parler, yo pa même agi. Comme nan moment la président Jovenel Moïse gen lè vle jouer pied et main pour changer situation haïtien yo k'ap viv en République Dominicaine, nous obligé rete la à suivre comment ça li même li pralé. Nous rive nan fin vidéo a, en gros c'est information sa yo nou te pote pour, parce que nous jige c'est nécessaire pour te konnen information sa yo. N'ap remercie ou parce que ou te choisi rete gade vidéo a jusqu'à la fin. Ça montre nous ou se yon fanatique qui fidèle ensemble avec Chanel la. N'ap fò sonje passe visiter l'autre Chanel la ki nou te di ou nan commencement vidéo a. Avant nou fini vidéo sa, nous besoin voyer en salutation pour quelques fanatiques nous qui t'ai fait ça nous t'ai dit dans vidéo nous t'ai lagué matin. En première position, nous voulons saluer Wislel Serafin et puis tout Kerry Sama, Blackson Dexing, Rachel Official qui sont fanatiques qui toujours a regarder Chanel là chaque fois nous poster une vidéo. Moi recommande ou à regarder Chanel Lia, li bay bel bagay intéressant. Et puis tout nous voyons une salutation pour Petel Blong. Nous voyons une salutation pour NPK Production qui bay belle vidéo sur Chanel Lia. Nous voyons une pour Aluka Block 120. Nous voyons une gros remerciement bay frère ça qui te dit nous li partager vidéo a qui relè bon Dieu pam nan grand numéro 1 li bay bel feyton sou Chanel Lia. Moi recommande nou passe visiter parce que si bel bagay net. Bon, nou vle di nou bye bye tout moun, an pile l'amour pour chaque grain nan nou ki tap tande vwa sa. N'ap tande même vwa sa encore nan yo prochaine vidéo sou même Chanel la ki se bon jan nouvel RD. Malé.